Just to kind of apologize for that, you know, I talked about chargers of vehicles, but that was not instead a report that was played. That report there was instead centered on these guys around the road. They are mostly, you can mostly find them in agencies, traveling agencies. They are there to load up cars. At times when you get to an agency, you see a young man rushing to you, so those are the people, and then when they take your bag to a certain vehicle that is traveling, say to Yaoundé or Douala, the driver is going to pay them something. You could hear the man say at times they give them 100 francs or so. It depends on the destination, actually. So I guess the other report on charges for vehicles, we're going to bring to you in different or subsequent editions of the program. 7:34 by our studio clock, time for us to take on our press review with René Narcisse Moto Lafleur. But then, what is that your Friday name again? Tony Almeida. Oh, it's been long. You don't have to blame me. It's been long. I remember Tony, but I forgot Almeida. So come on, Narcisse. Good morning. You're all in your suit today on a Friday. Oh, yes, it's okay. I expected to see you in one of those lovely African attires that you've been putting on all this while. What happened? It's a Friday. Yeah, as you can see, it is a beautiful Saturday. Friday. So why are you taking me to after this? No, you're going to discover it is a secret. You love surprises a lot. I don't like surprises. No, it's good. You know, women naturally love surprise. Not me. Anyways, we take on our press review first in English, and then after that, we're going to come back to you. So today in English, we are going to begin with, or we're going to take on just one, because we have just one available. It is the Guardian Post Daily, which publishes under the theme, Cherished by Many, Haunted by Some, Read by Them All, and it titles today, As Bird Flu Spreads Southwards, Swine Fever Hits North. As bird flu spreads southwards, swine fever or swine fever hits north. That story you will find in page 3 of the Guardian Post Daily. Le Brasseries lead brewery sector with 246 billion francs CFA turnover in 2015. Le Brasseries leads brewery sector with 246 billion francs CFA turnover in 2016. That story is on page 2 of the Guardian Post. Special criminal court 4 years after. 43 top officials jailed, 65 under investigation, and over 552 million francs CFA recovered. That, if you want to get more, turn over to page 3 of the Guardian Post. Parliamentary opening session, AFCON preparations, Cameco crisis preoccupy MPs. AFCON preparations, Cameco crisis preoccupy MPs. That story is found on page 2 of the Guardian Post. Well, the Guardian Post cannot go without giving us a quote of the day as usual. And the quote, today's quote says, if we don't talk about this epidemic, we are going to die. If we don't talk about this epidemic, we are going to die. And that is a quote by Margaret Cho. What epidemic? Well, maybe we already know the epidemic that is hitting us now. It's the bird flu virus. And we are hearing again about the swine fever that is trying to hit the north region of Cameroon, coupled with the Boko Haram insurgent group that has been disturbing not just Cameroon, but most important, that has been disturbing Cameroon in general, but most important, the northern part of the country. Well, that does it for the press review in English. We had just the Guardian Post. If you want to know more about these stories and even much more, you can grab a copy of their Friday edition, hit the kiosk, and then you will learn so many other things. All right, we continue now in French with René Narcisse Moto. Et on va commencer, comme d'habitude, il y a trois parties. La première partie, c'est la lecture transversale. Et après ça, il y a la lecture de grande une. On va visiter un peu tout les grandes unes dans tous les papiers, dans la presse. Et pour la dernière partie, on va un peu revisiter certaines grandes unes dans d'autres presses. Hein. Comment la presse a abordé d'autres questions d'actualité. D'autres questions d'actualité. Don't mind my French, okay? The most important thing is that you understand what I'm saying. Grâce à toi, Sandrine, tu t'es très bien débrouillée ce matin. Allez, voilà, on va, avec ta permission, donc...
embrayer sur cette deuxième partie, non, sur cette autre façon donc de faire la revue de la presse sur STV après la version anglaise. On va entamer avec la version française. Tu l'as dit donc tout à l'heure, aujourd'hui c'est un secret de Paul Ichinel. Députés et sénateurs se sont réunis hier à l'Assemblée nationale pour discuter des questions concernant le berceau de nos ancêtres, comment trouver des voies et moyens pour améliorer le quotidien des Camerounais, améliorer donc la situation qui empêche l'évolution du Cameroun. La presse en a parlé, la presse qui nous donne les tenants et les aboutissants de tout ce qui aura été abordé hier du côté de l'Assemblée nationale entre parlementaires, députés et sénateurs. Mutation souligne que Kavaye Yegué Djibril fait le show sur Kamer Co. C'est ce que dit Mutation ce matin. D'après une lecture de ce quotidien, le président de l'Assemblée nationale réclame un audit sans complaisance sur la compagnie aérienne nationale. Pour lui, il faut énoncer un bon diagnostic pour appliquer une bonne médication à ce grand malade qui est dans un état grabataire. Et Mutation qui s'engage à nous dire pourquoi cette chambre du Parlement n'a pas ouvert d'enquête parlementaire sur la situation de Kamer Co. Pendant ce temps, le messager, qui est aussi un quotidien, a plutôt vu un président de l'Assemblée nationale intéressé au chantier de la Coupe d'Afrique des Nations. Selon ce quotidien d'information générale, le Kavaye Yegué Djibril met le gouvernement en garde. Ce quotidien poursuit en précisant que le président de l'Assemblée nationale s'est exprimé hier à l'occasion de la rentrée parlementaire. La Nouvelle Expression, qui est également en kiosque ce matin, donnant ainsi rendez-vous à ses milliers de lecteurs, note de projet important et qui ont retenu l'attention des parlementaires hier au cours des travaux, notamment le dossier de la Kamer Co et celui de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2016. La Nouvelle Expression au sujet de Kamer Co signale des doutes et inquiétudes des députés. Les élus nationaux ont, à en croire ce quotidien, exprimé hier leur crainte pour l'avenir de la compagnie nationale et qui tarde à décoller pour ce qui et maintenant de la CAN de 2016. Le journal que dirige Séverin Tchonke note que Kavaye interpelle Philemon Yang, le chef du gouvernement. Le président de l'Assemblée nationale a invité le PM à prendre toutes les mesures pour que le Cameroun soit prêt. Attends. Et quant à quotidien émergence, Kavaye accuse le gouvernement de laxisme. C'est ce que nous dit quotidien émergence ce matin. Il l'a fait savoir en ouverture des travaux de la deuxième session ordinaire de l'année législative 2016. C'était donc hier. Le président de la Chambre basse du Parlement a invité le gouvernement à faire preuve de civisme. La presse est encore revenue sur l'épidémie de la grippe aviaire qui continue de faire parler d'elle dans le berceau de nos ancêtres. Une star sans fanatique malheureusement au Cameroun. Mutation indique que le gouvernement désinfecte les marchés après que la psychose ait gagné du terrain. D'après ce quotidien d'information générale, il fait savoir que le ministre de l'élevage a engagé l'opération hier au marché de Mvogada à Yaoundé. Pendant ce temps, la Nouvelle Expression fait lire que la psychose de la grippe aviaire gagne les marchés. Malgré les assurances du gouvernement, particulièrement à Yaoundé, la peur du poulet contaminé envahit le pays. La Nouvelle Expression constate que les prix s'effondrent partout et les éleveurs qui sont aux abois. Et le quotidien de préciser que face à cette crise alimentaire, les pouvoirs publics sont donc au pied du mur. Toujours au sujet de la grippe aviaire, le quotidien de l'économie fait aussi remarquer qu'une opération de désinfection s'est faite au marché de Mvogada. Et si nous sortions de cette première partie par le sport, notamment la rencontre de football, devant mettre prise d'air ce soir le Cameroun avec la Mauritanie, match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2017, Mutation précise que le match a lieu ce soir, pareil pour quotidien émergence, mais qui précise que les Lions indomptables du Cameroun vont devoir prouver que leur prestation contre la France n'était pas un fruit du
hasard. Voilà donc, Sandrine, ce qu'on peut retenir de cette première partie. On va tout de suite embrayer sur la deuxième, tu l'as dit. Elle concerne la revue des grandes unes. Et nous commençons avec Quotidien Émergence qui titre à sa grande une ce matin. Enseignement supérieur, comment mettre les bourses académiques à l'abri du népotisme. Entre détournement et retard de publication, la gestion de ces bourses fait objet de multiples scandales. Vous aurez donc dans le journal Quotidien Émergence 10 experts qui débattent sur la question. Le Quotidien de l'économie, quant à lui, titre à sa grande une ce matin, projet de loi des finances, le budget 2017 à l'épreuve du remboursement de la dette avec une prévision attendue de 722 milliards de francs CFA. Le remboursement de la dette pourra constituer l'un des plus grands postes de dépenses de la loi des finances 2017. Le Messager pour sa part, titre conjoncture, péril sur le budget de l'État 2017, les marges de manœuvre budgétaires du gouvernement réduites par certains facteurs. Le Cameroun Matin, titre opération épervier, pourquoi les contempteurs de lui pour le mot tasé fantasme. Voilà ce qui constitue la grande une du journal Le Cameroun Matin, disponible en kiosque ce matin. On va donc terminer cette revue de la presse avec d'autres volets de l'actualité. Le Messager, titre en petit encadré, litige foncier à Kribi, les autorités contre une décision de la Cour suprême à l'origine, la construction d'un hôtel de ville. Les précisions, c'est en page 3. Le Messager parle aussi des jubilés, 50 ans de sacerdoce pour le cardinal. Une série de manifestations organisées à cet effet ce samedi à Douala. Il s'agit du cardinal Ntoumi. Les précisions, c'est en page 9. Toujours avec le Messager, cette fois au pied de une, pays prospère, le Cameroun absent du top africain des pays qui prospèrent, selon un classement de l'Institut de recherche anglais de l'Agatoum Institute. Les précisions, c'est en page 6. Avec le Cameroun, le matin, on peut scruter au pied d'une élection à la LFPC. Trois prétendants pour une place. De qui s'agit-il exactement? Les précisions, c'est en page 12. Toujours avec le Cameroun, matin, disponible en kiosque ce matin pour son lectorat. On s'est intéressé à la SOCAPA, mais pour indiquer que 5,4 milliards de francs CFA sont à distribuer à ses actionnaires. Les précisions, c'est en page 2. Et si on s'intéressait à Mutation, qui donne rendez-vous à son lectorat ce jour dans les kiosques, Chambre d'agriculture, un petit encadré, le pari de la diversification des sources de financement. Mongui Sosomba, le président de cette structure, parle de la réorganisation de la CAPEF par le chef de l'État. Les précisions, c'est en page 12 de ce quotidien. Notre quotidien, c'est la nouvelle expression et qui nous amène du côté de Chang pour souligner qu'un proviseur est aux arrêts. Il est accusé d'avoir distrait le salaire des vacataires de son établissement. En savoir plus en page 11. Et puis, nous nous intéressons aussi au quotidien, le quotidien de l'économie qui parle d'investissement pour noter la timidité du marché financier qui freine les entreprises, selon les experts et autres chefs d'entreprise. La cotation boursière qui devrait favoriser la conquête du marché international est presque inopérante au Cameroun. Forêt et faune. Le quotidien de l'économie s'y est également intéressé pour noter la corruption qui progresse dans le secteur. Un indice de perception de ce fléau vient d'être présenté par l'ONG Forêt et Développement Rural. Et nous terminons avec Quotidien Émergence qui parle de politique au pied de une RDPC dans le Nord. Kouété échoue à réconcilier les militants dans cette partie du pays. Les précisions, le secrétaire général du comité central du RDPC n'est pas parvenu à réconcilier les militants déchirés dans la région du Nord. Les précisions, c'est en page 3. Sandrine, c'est tout. Et c'est tout. Take a deep breath. You're not taking a deep breath? Non, c'est cool. You're cool.